Et bonjour, internotatrices et internotateurs, ici Gaëlden pour les Jeux du Cygne, dont nous retrouvons le clan dans notre belle ville de Galdenbourg. On voit que l'hiver approche, mes gentils colons commencent à enfiler des bonnets en diable étoffe, à tour de bras. C'est amusant. Ah, j'ai une excellente sculpture en marbre. 1, 2, 3. Ce qu'il faut. Ouais. On va en mettre une là. Peut-être pas mettre une excellente. Je vais mettre juste une bonne en calcaire là. Puis je vais mettre une excellente en marbre ici. Voilà. Une grande sculpture en calcaire normale. Tac. Vendre. Ah, si je pourrais le mettre là. Bon, ça c'est cool, mais c'est tellement long que franchement. Ah oui. Alors, j'avais une infestation à gérer. Ah, elle arrive en plein jour, tiens, c'est marrant. Comme ils ont. C'est marrant parce que. Mayday! M'aider tout le monde, c'était donc la quête que nous avions acceptée juste avant la, juste à la fin du précédent épisode, qu'il va falloir gérer tant bien que mal. Les petits animaux qui vont se faire attaquer ou pas. Allez, les cacs, même les blessés en première ligne. Hop. Tac. Les distances en particulier. E3. Deuxième ligne. N'est pas trop proche non plus. Là, ce serait bien en fait. Et 1, 2, 3, 4 en troisième ligne. Hop, j'ai quand même vachement peu de distance, c'est marrant. Allez. Wattle. Va être l'heure de souffrir. Il va falloir descendre, mesdames, messieurs. Hop, Clark, je pense qu'il va s'en prendre, mais plus que plein la gueule. Et merde. Hop, on recule. On se fait déborder. On se fait déborder. Qu'est-ce qui est encore debout? Hop. Toi, j'ai l'impression que tu fais rien là. C'est bien normal. Hop. Allez, on va y arriver. Mon gazor. Allez. J'ai pas de mort, j'ai juste plein de blessés. Est-ce que j'ai des trucs arrachés? Est-ce que j'ai des gens qui sont sur le point de mourir? 12 heures, ça va. Papillote. Ah, un gros orteil droit déchiqueté. Ça c'était déjà fait, 9 h. Tom, où ça rasait tranquille, presque rien,
Même pas de. Alors Clark, il est un peu pris cher. 6 heures. Mangazor. 9 heures. Bon, Ezikino. 17 heures. Eh ben, tout va bien. Exactement ce que je veux faire. Alors, les plus urgents, ce sont Papillote, 6 heures. Clark, 6 heures. Papillote et Clark. Célestine va me sauver. Papillote, qui est là. Ardarine va me sauver. Clark, qui est là. Ouais, c'est les deux premiers qui ont pris très très cher. 9 heures, j'ai Mangazor. Tac, 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 secourir. Broudaf, tu t'es fait un peu blessé, mais tu vas quand même secourir qui d'autre? Zmoï, qui est à 9 heures. Non, ça va être pour Toshiro, du coup. Hop, Broudaf, tu vas me sauver à hein, 12 heures. Brady, par exemple. Ah putain, il y en a un qui se relève. Célestine. Tac. Voilà. Hop. C'est le problème, c'est que parfois il se relève tout seul. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont se relever tout seul ou pas? Les trois autres qui sont dans le mal, Toshiro. Non, tu ne vas pas nourrir quelqu'un là, tu vas hop, secourir. Damnamit, il est à 8 heures. Ouais. Onyx, t'es en train de soigner, c'est ce qu'il faut. Ardarine, tu vas pas bouffer pendant que tu as des copains qui sont à terre. Tu vas me secourir Moussarazé. Zikino. Ouais, Zikino. Tout petit peu plus d'urgent. Célestine, hop. Secourir Zikino. Ah, je vais manquer de Lidostoli donc. Je pensais pas que ça arriverait ça. Tiens, tu vas me faire là un Lidosto. Parce que tu veux pas me l'amener. Oh, quoi que si, là, ça va. Là, ça va. Bon, et puis ensuite, on va terminer. Hop, ordre achevé, 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 achevé. C'est là que j'ai ça en fait pour m'assurer que ça va être fait. Et puis ensuite, oh, toc, toc. On va récupérer tout ce qui est tombé par terre. Putain, ça en fait un paquet qui sont tombés par terre comme la vache. Allez, Onyx du coup nous fait du soin en boucle. Hein. Est-ce que tu soignes les bons 4 heures? Brady, il est pas du tout. Hop. 4 heures, ensuite à Clark. Ardarine, tu vas me faire le plaisir de soigner. Tu fais quoi là? T'es en bleed dans 5 heures et on met n'importe quoi. Mangazor, incapacité, 6 conditions, 7 heures. Une condition, 6 heures, 22 heures. Ok. J'ai qui d'autre qui est en état et qui peut soigner un peu? Toshiro, putain, t'es en train de fuir, ça veut dire que t'en as un autre qui s'est levé, fais chier. Célestine, tiens à bouffer. Ouais, t'es vraiment trop mauvais en soins par contre.
5 heures. Putain, il y en a deux qui se sont relevés. Zekino, combien? 15 heures. Oh, t'as raison, c'est bien le moment de convertir là. Boulet. Qui est-ce qui est dans l'urgence? 6 heures. Ah. Tu l'as chopé lui, très bien. Célestine, quand t'auras fini de bouffer, tu vas me faire le plaisir de venir défoncer la gueule de celui-là. Alors que c'est bon, hop. Et bon, ok, tac, Toshiro, hop, et ensuite il faudra s'occuper des d'Ananit, c'est bon, t'es plus en bling out, Zikno, ça va encore, mon Gazor là, tac, 5 conditions, 1 condition, hop, on termine celui-là, et un moussa rasé. Soigne au sarrasé. Maladie grave, déconne. Oui, je suis juste en train de mourir. Hop, ok. Toi, t'es bon. Va soigner. Zikino. Ouais, bon, nourrir les autres, c'est bien aussi. Hop. Et le dernier. Ok, nickel. Tu vas m'autoriser. Hop, les derniers. Ça nous fera stocker de la viande OGM, ce qui est pas génial, mais bon. T'es où, Onyx? T'es là. Qu'est-ce que tu me fous, toi? C'est bon, t'as plus de. Très bien. Ah merde, j'ai plus de plat du coup. Ok. Non, tu vas me faire en urgence des plats. Là, c'est vraiment de la gestion de l'urgence, quoi. Ok, Toshiro, t'es une quiche en santé, en médecine, donc c'est pas la peine non plus. Allez, on accélère un peu. Ok, bon, alors si on fait le tour, où est-ce qu'on en est? Allez, viens moi ce message. Incapacité. Hop, 5 conditions encore, donc Onyx s'en occupe. Moussa rasé, 15 conditions. Clark, incapacité. Une condition sur Broudaf. Ok, bon, tout le monde est sauvé. Tout va bien. Il faut juste pas que j'ai de nouveau un raid par-dessus, quoi. Non, c'est le drame. Il faut aussi que j'aille défoncer ce qui reste de. Toi, tu vas aller me défoncer tout ça là.
Faudrait pas qu'il s'amuse. Tiens, Célestine, viens l'aider. Voilà, et... Voilà. Tout ça, on peut l'autoriser. Les capsules sont arrivées. Wouhou. Impulsion calmante, c'est pas mal. Prestigieux casque en cataphracte. Là... L'état de mon moral. Hop. Très bien. Hop. Et voilà. Ça c'est... Non, j'ai même pas besoin de le mettre au frigo, ça. J'ai pas besoin de le mettre au frigo. Ça s'appelle comment? C'est gelée d'insectes. Putain, les entrepôts sont pleins. Zut, zut, il va falloir que je réorganise ça un tout petit peu différemment. Je vais faire une copie là. Toi, je vais te mettre comme ça. Toi, je vais te mettre comme ça. Non. Je te mettrai comme ça. Hop, si, je pourrais mettre un truc de 1. Bien. Comment pas le frigo avec des trucs qui servent à rien. Alors, il va falloir aussi rééquiper mes petits gars. Alors, t'avais compté qui toi? T'es Zikino, Zikino, t'étais au fusil. Brady, t'avais le marteau. Dynamite, t'avais... hop, épée longue en plastacier. Papillote. Tu avais un marteau de guerre en uranium. Smoy. Tu avais couteau en plastacier. Non, pas équipé de bois. Équipé couteau en plastacier, ensuite c'est lance en acier, une, pour nous servir. Et Clark, lance en acier, deux, hop, voilà. Et Mangazor, t'avais ça. Et ben voilà. Allez, on repasse en vitesse max. Ça, j'aimerais bien me transporter ça aussi. Il aime bien ça ou pas? Il y a 7 vaincus 4, c'est cool ça.
Parfait. Chef-d'œuvre. Étagère en bois, chef-d'œuvre. Bordel. Tu me copies les paramètres. Colle les paramètres. Hop. Et tu me fais. Bah si en fait on comme ça. Ouais, tu m'as mis dans le mauvais sens. Hop. Ok, donc tout ça, tu vas me faire un paramètre de lien. Non, pas du tout ça, je veux que tu me sélectionnes toutes les étagères. Putain. Ah bah si, c'est bon. Hop, paramètre de lien, voilà. Je suis en train de les lits médicaux, justement. Oh putain, la peste animale. Bon, bah, faudra qu'il soigne. De toute façon, c'est impossible à suivre. Ziki a totalement guéri, tout va bien. Pourquoi t'es pas réglé à moins 19 toi? Les médicaux, c'est fait. Moniteur de ciné vitaux. Alors j'ai de l'acier, j'ai des composants, je pourrais me faire des vrais médicaux. Mobilier. Qualité. Hop. Et oui, le seul problème c'est que si je stoppe pas ici, j'ai pas de place en fait. Faire une petite récolte terme médicinal parce que je pense que j'en ai moins dans mon main. Je pense de la merde. J'en ai 96, donc c'est un peu con ce que je viens de faire. Mais tant pis. Il faisait plus à faire.
Onyx, si tu nous faisais de la bouffe plutôt que de bouffer de la gelée d'insectes. Mon gazor, je passe en priorité 1 sur la bouffe aussi. C'est quand même souvent un peu un météorite de granit. Super inutile. Suis trop content. Dans mon idéologie, j'imagine que la viande d'insecte est détestée, classique. Donc ça va occuper de la place jusqu'à ce que j'ai un vaisseau qui veuille bien le prendre en charge. Allez. Tu vas en faire d'autres. Tac. Voilà. Mon gazor totalement guéri. Arconexus. Alors, ouais, ça c'est la quête. C'est une quête de victoire. C'est une des possibilités de victoire. Que j'ai absolument jamais testé, bien entendu. J'en suis pas encore là. De toute façon, il faut que ma colonie ait une valeur de 30, 350 000, je crois. J'en suis à 129 000 et quelques. J'en suis à 100, 150 000. Oui, donc autant dire que j'en suis encore très 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 loin. Est totalement guéri. Smoy est totalement guéri. Allez. On est presque revenu à la normale. Selma nous a rejoint. Alors, qu'est-ce que tu vaux, Selma? Bio. T'es pas une soldate. Ok. Donc déjà, on va te mettre en... non, en ouvrière. Hop. Pas de drogue. C'est ça, pas de drogue. Là, on va te mettre sur ce créneau-là. Et ici, tac, médecine 6. On va mettre deux petites flammes. 7. Hop, je vais mettre en 1 en fait. 5. Ouais. Ensuite, tac, tac. Geôlier était pas trop mal. C'est ma quatrième, mais c'est pareil, t'as deux flammes, donc ça va monter vite. Ensuite, qu'est-ce que tu fais d'autre? Dresseur, on s'en fout.
Cuisinier, bof. Toi, ça restera 3. Tu seras chasseuse également. Est-ce que tu es meilleur en tir? Constructeur, je te mets 4 comme tout le monde. Jamais il faut déconstruire. Mineur, bah, ça sera 2. Tu vas me faire plus de. Ça, bof. Bof, bof, bof. Artisan 4 et forestier. Ouais, 3. On fera surtout du ménage, toi. Et tu vas m'équiper un fusil, si possible. J'ai plein de fusils à pompe, en fait. Onyx, je pourrais lui mettre un fusil à pompe automatique, en fait. C'est quand même bien meilleur. Je suis étonné par le DPS de... Du fusil à impulsion. Tuc, tuc. Non, tu vas prendre PM lourd. La portée, c'est... Elle est où la portée déjà? Dommage. Pénétration. Accuracy. Wamp. Range. Ouais. Si, tu vas prendre ça. Je vais prendre le PM lourd, Selma. Où es-tu, Selma, Selma, Selma. Tac. Alors, tu as 4,27 en tir. Ce qui te place. Oh, la fille. Bouddha fait 8,14. Ouais, c'est le Toshiro. Meilleur mauvais tireur. J'appelle mauvais tireur ceux qui ont ceux qui n'ont pas de flamme. Donc on a dit que tu allais. Alors on a dit Onyx. Ouais, le truc c'est que je dis bêtise. Toshiro, t'es au fusil. Hop. Ensuite, je ferai des fusils d'assaut, histoire d'avoir des meilleures armes. Tu vas rester quand même un peu à distance. Le revolver, ça tire mieux. Ça tire plus loin, en fait. C'est vraiment un DPS de main. Ouais, ça vraiment... Donc, Onyx, non, Toshiro, tu vas me prendre le fusil mitrailleur. Donc, pistolet mitrailleur lourd. Donc, Toshiro, hop, quand tu sauras pas quoi faire. Je vais m'équiper ça. Ensuite, Onyx, tu vas me prendre. La mitrailleuse qui est là. Hop. Même si elle est médiocre. Et du coup, Selma, tu vas me prendre cette carabine là. Ok. Très bien. Papillote, tu pourrais me chier, mais si tu pourrais me faire une petite conversion sur des mammouths là. Là. Ah, 17%, on va y arriver. Nom d'un scrogneugneuf. J'en suis à 1200 d'acier, donc je peux continuer de me faire des lits médicaux. J'en suis à 15 composants. Ça coûte quand même 5 par composant. Où ça rasé les citelles dans la médicale?
Raid, ben, ça tombe bien. Je suis quasiment full life. Ils se prépareront un temps. Alors. Oh, punaise, ils sont nombreux. Alors, ils vont sans doute passer par là. Sauf que du piège, j'en ai pas des masses en fait. Ma zone d'attaque commence à être un peu légère. Et que je pense un jour à l'agrandir. Bien. Alors, et ben on va gérer ce problème-là au prochain épisode également. Je vais m'arrêter ici. C'est un épisode un petit peu court. Mais le devoir de parents m'appelle. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À ciao, bye bye. Bisous, bisous.